Ayez, 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 venez nous voir. On a des histoires à vous raconter. Ayez, ayez, ayez. Approchez, approchez. À ce temps-là, on racontait des histoires. Puis toutes sortes d'histoires. Celle-là, c'est l'histoire d'une famille tricotée serrée qui habitait une maison pas très grande, mais assez pour recevoir tout le village. Quel village? Le village de Saint-Denis-sous-Richelieu! Nous autres, on habitait le rang du poterie. C'était la place la plus loin, la dernière place au bout du monde, mais la plus belle. Il y avait toujours un air de bonheur et de bonne humeur dans cette cabane-là. Oh, peut-être à cause des rigodeux, à cause des consoles, à cause des accordéoneux. Oh, peut-être à cause de la musique aussi. Oui! Si vous voyagez à Brest dans le coin de Saint-Denis-sur-Richelieu, dites bonjour à mes parents et habite le 5e rang. Oui! OK, attends, là, je vois attends, la cousine Hélène, là, là-bas, là, ça vient, là. Hey, regarde, toute la famille. Toute la famille. Hey, toi, est-ce que tout le monde est là? Hey, tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Ah, ben, les amis, ça t'entend, cette carrée. On a eu la visite du Grand Noir. Oh boy. Bon, comme personne dans le village, puis il était grand à part de ça. Ah ouais, puis toutes les filles de la veillée voulaient danser avec le Grand Noir. Ah oui. Ah oui. Mais pas avec moi. Non, pas avec elle. Mais regardons ça, toi, là. Hé! Enfin, ils voulaient tous danser avec lui, mais de toute évidence, il en choisit une. Mais comment qu'elle s'appelait? Ah, on se demande, hein, comment qu'elle s'appelait? Son nom, ça commençait par un C, hein? Oui! Ah oui, alors il la cherchait, le Grand Noir, il allait la trouver, la séduire. Go! Salut! Et de toute évidence, c'est il qui de sa préférence. On applaudit, c'est sûr, ouais. Évidemment, elle était bien empoitrinée. Elle avait des cheveux blancs, bruns qui traînaient à terre. Bruns éclatants comme le soleil. C'était la plus belle! Ça fait que là, c'est elle des grands noirs, ils se sont mis à se courir comme ça. D'avoir trop dansé, là. Elle a voulu se reposer, hein? Ouais. Mais non, lui, le Grand Noir, il voulait danser à minuit. Ouais, ouais, puis à minuit, là, ben, il s'est mis à la regarder direct dans ses grands yeux bleus. Oui, oui, oui. Et elle tomba par terre. Net, raide et sec. Plus moyen de la réveiller. Ben non! Le diable, je veux dire, le Grand Noir l'avait ensorcelé. Tout à coup, c'est elle à se réveiller, puis souvenant, puis elle nous a crié, c'est un sort jeté par le diable! Ah! C'est là qu'on rassemble tout le village, ou à la croix de chemin!
pour attraper le grand noir qui s'était échappé. Ça a pris 2 heures de recherche, 2 heures de recherche pour le retrouver où? Chez le marabout! Marabout! Chez le marabout! En train de prendre le thé! Ça fait qu'on a frappé le théâtre par la queue, et puis on l'a jeté à la mer. Mais depuis ce temps-là, on n'a plus jamais entendu parler. Hey, depuis ce temps-là, on entend dire que le grand noir, ça frappe les joueurs de tempête. On l'entend à travers les ressacs de la mer en pluie. Jouer des airs d'accordéon et de guilcoulele. Dans la ville, 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 dans la ville